ça avant ma vie. Donc je vais mettre tout le monde. Vous avez encore une fois ici obtenu un immense résultat, une très belle victoire. Et d'autres victoires, bien d'autres encore, sont arrivées. Je vous en rappelle une extrêmement importante. Le rapporteur de la loi Taubira, le sinistre rapporteur de la loi Taubira, il voulait ouvrir il y a une année, il voulait ouvrir l'adoption au couple paxé concubin. Il voulait absolument pouvoir fournir, il voudrait pouvoir fournir des enfants à tous ceux qui en souhaitent, comme on souhaite obtenir un objet, un produit, comme on voudrait en répondre à tous ces désirs. Eh bien, cet amendement, lorsque nous avons menacé d'une manifestation, le gouvernement l'a fait retirer, une autre victoire obtenue grâce à vous. Et puis ces jeunes, pensez aussi à tous ces jeunes, toutes ces générations qui se sont levées partout en France, depuis 2012. Jeunes qui agissent, qui sont mobilisés, qui interviennent dans la société, tous ces jeunes aussi qui se sont engagés en politique, mais dans le secteur associatif, un dynamisme qui était inconnu depuis des années dans notre pays et en parlant de pays, de même dans beaucoup d'autres pays, dans de très nombreux pays, la défense de la famille s'est développée, elle s'est renouvelée et elle s'est même créée dans un certain nombre de pays. Vous avez donné du courage à tous, bien au-delà de nos frontières, et je citerai Taïwan, l'Italie, le Mexique.
Le bas
parce que ça va.
chers amis, j'entends parfois des doutes, des interrogations, des questions. Est-ce utile de manifester? Est-ce efficace de manifester? Oui, je le comprends, c'est vrai. Hélas, la loi Taubira a été votée. Mais grâce à vous, grâce à tous ces efforts, ces sacrifices que vous avez faits, grâce à tous ceux qui sont venus de loin, qui passent des heures à voyager, qui font tant d'efforts, et bien grâce à vous, nous avons empêché la légalisation de la PMA sans père. Elle était prévue dans la loi Taubira, dans le projet de loi Taubira. Ils ont, grâce à vous, ils ont reculé. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, la PMA sans père n'est pas légalisée. C'est votre victoire. Bravo à tous. Et des victoires, vous en avez remporté encore bien d'autres. Vous avez su et vous avez obtenu le retrait du projet de loi famille de la ministre, de l'ancienne ministre de la famille, Dominique Bertinotti. Et non seulement ce projet de loi a été retiré d'une manière complète et définitive, mais la ministre elle-même, vous l'avez noté, a quitté le gouvernement. Vous avez encore une fois ici, la défense de la famille s'est développée. Remixé à la suite. Thank you.